Je pense, si vous voulez, que, je l'avais dit, hein, la société française est marquée par beaucoup de fractures. Fracture entre la ville et la campagne, fracture à l'intérieur des villes. Donc c'est tout cela qu'il faut d'urgence traiter, parce que oui, on a un certain nombre de difficultés qui sont accumulées d'ailleurs depuis des années et des années, mais qui tout d'un coup éclatent, comme d'ailleurs on le voit bien dans un certain nombre de pays européens, où il y a une espèce de montée des revendications de manière un peu sauvage. Est-ce que vous avez une place particulière dans le dispositif macronien? Comment est-ce que vous comptez aider le président de la République à l'avenir? Ben peut-être, comme j'avais alerté sur un certain nombre de situations avant de partir, peut-être qu'on voit que je n'avais pas totalement tort. Est-ce qu'Emmanuel Macron a toujours un problème d'hubris? Je crois que de moins en moins, plus il voit de mer, mieux c'est.